Salut à tous et à tous, ici c'est Super Kana, aussi appelé ça, et on se retrouve pour l'épisode. Il me semble que c'est le 14e ou 15e, je sais plus, d'épisode sur. La fureur du lapin mort. Vous savez, à chaque fois je mets la fureur d'un lapin mort dans les titres des vidéos, alors c'est la fureur du lapin mort. Un lapin mort! Bon bah c'est parti pour cet épisode, elle y est. Soit disant, il y aurait une suite. Non, je déconne, en fait, non, je déconne. Pas de suite de alliés. C'est vrai que les mecs ils y ont pensé. Le fichier à carte complète, si vous vous sentez un peu perdu, elle regorge d'informations précieuses. Oui, des informations précieuses. Le précieux. Au début, évidemment, il devait être un jeu très reste, mais attention, on a du merde qui a tué par ma souris. Bah écoute, ils sont passés d'un jeu à plateforme. Ils sont passés d'un jeu d'infiltration à un jeu de plateforme. Bon bah écoute. Ah oui, on a un cadeau. Cadeau. Le cadeau de début d'épisode. Une tenue d'un essayé pour voir. 30 points d'XP. Je sais pas quoi ça, les points d'XP, c'est vrai. Tu sais qui veut faire le malin ici. Là, il y a un checkpoint. Mes yeux, mes pauvres petits yeux, quand vont-ils remettre le courant? Heureusement que j'ai pris mes médocs. Knocking on Hell's Door. Démoniaque. Bon bah on a tué notre premier monstre. Alors, Tuffer, Miller Owen, les enfants voient ce qui arrive quand vous n'êtes pas ce que vos parents vous disent. Notre coprendo a du speed. Quoi, oh John, en fait toi la matriette, mon gars. Ah oui, ah bah regardez, on a un safe spot. Regardez, on a un safe spot. Choo-choo rocket. Chouchou raclette. Je crois que les mots sont français. Alors ça, je sais plus, c'est inspiré d'un conte. Le Fusistora, je crois que je sais plus le nom, au souris, je sais plus le nom exact de ce conte. En tout cas, il était absolument pas dur, il y avait un safe pot pour une fois. On avait un safe pot. Alors, Wazerbon, Clevan Weiner, il se préparait pour une rave partie d'enfer, il s'est planté de bus pour se retrouver dans un club de dead metal hardcore avec son super t-shirt maillé. Oups. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, parce que bon là. Ça va, les ennemis là, je trouve qu'ils font pas trop de dégâts, c'est peut-être une idée. Faut être prudent là, parce qu'on a pas la lumière. Ah, boss.
Tout le monde dit que je suis un DJ pourri. On m'a viré trop de tubes des années 90. Ils vont voir de quoi je suis capable. Que des lasers et des strombox fusent. Est-ce qu'il y a un C-spot? Non, là, il n'y a pas de truc. À côté ici. Il y a un C-spot. Ça va encore. C'est pas dégueulasse. Magic trick. Ah, sur les étoiles. Ça me fait penser à un jeu. Je sais plus à quel genre de jeu ça me fait penser. Voilà. Ouais, je suis en forme, dis donc. Bon, en même temps, là, je trouve les jeux pas difficiles. Ouais, je suis en forme. Bon, 3 boss. On va faire le quota du jour en 25 minutes. Là, j'avoue que là pour le moment c'est pas ultra difficile. Alors, Didier Makuba. Nintendo. Didier Makuba était le roi du match-up. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Malheureusement, son CD expérimental de Musette vs Dubstep vs Urban Dance ne lui a pas apporté la gloire escomptée. Mais le jeu il est extra récent. C'est pas un vieux jeu ça, allié. Il est sorti quand? Ah, mais il faudra que je regarde. C'est vrai, quand date allié? Parce que la dubstep, c'est récent, hein. C'est quoi ça, 2-3 ans? Carrément, quasiment. Cardinal. Kensurimi, ouais, j'avais oublié. Il est où Kensurimi? King Surimi. Regardez, c'était l'un des premiers boss qu'on avait battu. Regardez, on a tué 73 monstres. Il nous reste quasiment 3 lignes. Je là, allez, si je le fais, je le finis comme ça, là. Boss lui. Non. Non, juste un mob de pif. Pas du tout. Trop fort. Quel super teuf. Je suis fait comme un Mickey. Bouge pas trop la caméra. Je suis à deux doigts de décéder. Ok. Mais bidon. Ah non, mais cette zone là, excuse-moi, elle est trop facile. Vomicat. Ça fait de la peine de voir un lanceur hula hop avec des problèmes psychomoteurs. Au moins ses souffrances sont abrégées. Mais où est la difficulté? On a tué je crois 3 monstres là. On a tué Antuffer, on a tué Warzone, Digimakuba et Vomicat en moins de, je sais pas, de 8 minutes. J'ai le temps. Marcelo, j'aime pas la musique, j'aime pas dans ces poulettes pulpeuses. Ça j'aime. Si tu vois ce que je veux dire, prends de la bonne photo et on te fera rentrer. On te fera rentrer. Alors là par contre je sais pas ce qu'il m'est demandé. Oh, des poulettes pupeuses. Des poulettes pupeuses, c'est quoi? Ah il est là, Nestor. Ah. Oh les gros relous, ça veut dire... Ça veut bien mieux que ça. Je quitte ce taudis. Sayonara les caves. Mode c'est la cave, me voilà. Salut, merci de me donner une chance. J'ai postulé pour le poste de quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je ne... Non! J'ai tué un monstre. Ah, je peux aller en haut. Apparemment, il y a du monstre. Monstre Rodex, Natachat. Calmos, les gars, elle est dans l'autre camp. Plus précisément, le camp des créatures qui préfèrent les filles. Et qui... Oh, ça va, on a compris. Allez, finissez cette histoire vous-même. Ah, c'est un boy. On est à 60. Bon.
C'est... Je ne vois pas la difficulté pour le moment. Peut-être que je suis trop gaultière, mais... Alors toi, t'es mort. Faudrait peut-être une petite, un petit magasin. Là, je suis bueno. Là, un petit magasin. Et là, c'est bon. Là, je suis fait. Un petit bonus. Alors, là, c'est un checkpoint. Donc... Bon, moi, je suis mort. Pas encore une seule fois. Je suis ici. J'avoue que là, la difficulté de cette... Ah, y'a pas... Ah, y'a... Oh là, à la baise. Musique. Dance, dance. Oula. Oula là, la roue, elle a... Ah! Faut au courant. Ah, ok, on a déjà connu ça. On a déjà connu ça. On a déjà connu ça. Alors là, par contre, ça va être chaud. Alors là, par contre, je vous préviens, je sais pas si je vais y arriver. Ah putain. Ah ouais mais c'est hardcore. Ah je sais pas si je vais y arriver. Ah ouais mais c'est... Mais écoute, moi je sais pas là moi. C'est... Non c'est trop dur là. Oh là sauter des... What? J'ai eu un bug. Bien. Soit-il. Ouais, ouais, c'est... J'ai bugué. J'ai fait le bouton du saut et du truc de la... Et ça m'a rien fait. Alors ça, j'aime pas du tout la façon de les battre. Où il faut sauter pour les buter, c'est... Parce que ça m'oblige à utiliser la roue, j'utilise jamais la roue. Oh. Et qu'il a le truc à une trajectoire assez bizarre. C'est bugué. Très bien, c'est bugué. En fait, c'est chiant, il touche le sol. Là je l'ai glitché. Alors là il est glitché la vie. Ok là c'est bon. Oh putain jeu de merde. Oh, j'ai trouvé un beau setup. Putain. C'est de la merde. Ah putain. Ah putain de ta mère. Ah bah ça y est, le jeu lag, c'est fini. Ah ça, j'y arriverai jamais si le jeu lag. Oh putain, je commence à avoir mal au bras avec ta merde. C'est de la merde. C'est de la merde ces boss, ces trucs là. Alors ce que vous voyez c'est un bug. Les mecs savent pas faire un ennemi mobile. En fait, il rebondit. Et c'est comment expliquer ça? On règle. J'ai pas moi. Oh, tu pourrais me montrer, je sais pas, un dixième de la map en plus. J'irais pas non en fait, tu vois. Bah, tu me montrerais un truc plus haut. Ah bah évidemment, ça devrait, cette attaque devrait être automatique. Je m'explique. Quand tu sautes sur l'ennemi, la roue va elle-même.
t'as pas appuyé sur un bouton ou du pif pour que, voilà, en plus le laser fonctionne pile poil au moment où j'y vais, hein, évidemment, la base. Mais ça, ces ennemis-là, c'est de la merde, c'est tout. C'est de la merde. T'es obligé. Oh, regarde, mais en plus, on est des plateformes mobiles. Allez, c'est parti. C'est de la merde, c'est tout. T'es sur un truc, t'arrives. Ça, c'est de la merde. Tu dois faire le faire rebondir. Il rebondit contre les murs. On sait qu'il fallait le faire. Putain, il fait un bruit insupportable. En fait, s'il rebondirait pas comme cette merde. Voilà. Il rebondirait pas comme ça, il y aurait pas un mur, bordel de merde. En fait, tu dois le faire sauter, tu dois le toucher 8 fois sans qu'il touche le sol. Comment expliquer que le truc fait des arcs de cercle de merde? Ça c'est chiant, quand tu vois quand il fait un arc de cercle de merde comme ça. Voilà. Mais tu peux pas, c'est... Et en plus je fais, putain, traîtrise de merde. Jeu de merde, putain, jeu de merde. Garde, c'est chiant, tu peux pas le bloquer, quoi. Jeu de merde. Ça m'énerve. Sérieusement, ce genre de boss, c'est juste insupportable. Parce que tu sais pas quand il va, où il va atterrir. Regarde, là il s'est retrouvé de l'autre côté de la zone. Boss de merde. Oh là là, mais quelle merde. Ennemi de merde. Mais c'est vraiment les pires, ça. J'y arrive jamais, moi. Putain. C'est de la merde, c'est trop. C'est le pire truc de tous les temps. Putain, vous vouliez mettre une... Voilà, j'ai pas boumé. Putain. C'est de la merde, c'est tout. Faut se dire la vérité. Il faut le faire sauter. Il faut toujours appuyer sur comme un mongol sur la bouton RT pour qu'il fasse sa putain de roue. Non, mais c'est de la merde. Voilà. Tu vois pas où il va atterrir, regarde, je passe ma vie à... Putain, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Il faut le faire sauter 10 fois. Mais ce connard se prend toujours le putain de mur, voilà, tu sais pas où il va atterrir. Voilà, il touche le sol, tu te fais baiser. Encore avec les cosmonautes, ça allait, parce qu'ils volaient pas loin et tu voyais où ils allaient atterrir. Là, tu vois pas, c'est de la merde. 10 fois, mais les gars, vous allez craquer, quoi. Voilà, tu vois pas où il va atterrir, du coup, voilà, t'es baisé, faut recommencer 20 000 fois. Mais quel ennemi de merde. Et si t'appuies pas sur le bouton, voilà, hop là, niqué. Putain, c'est de la merde, sérieusement, c'est de la merde, la zone est trop loin, grosse. Voilà, regardez, il réatterrit de l'autre côté, on est baisé. Voilà, à côté, comme un noob. Putain, ça m'énerve. Sérieusement, c'est chiant. Voilà, tu sais pas où il va atterrir, tu le vois pas, le mob. Putain. Oh, mais quel mongolo, mais quel jeu de merde, infâme. Voilà, quoi. Quatre fois. J'ai fait RB, mais j'ai fait RB. Oh, la blague infâme du jeu de merde. Oh, la blague infâme de ce jeu de merde. J'ai fait RB. RB, c'est ça, je l'ai fait, putain. Oh, mais le mensonge.
Oh, j'ai pas eu les règles. Putain, parce qu'à chaque fois, je veux aller trop vite. Putain. Mais quel jeu de merde, mais quel jeu de merde. Il devrait crever, mais automatiquement pas. Mini-jeu de merde. Putain, mais bande de mongolos, mais infâme. Ça, c'est casse-couille, quoi. Bah oui, je les maîtrise pas, ces mobs-là. Putain, mais... Oh là 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 là. Quelle merde, infâme, mais quelle merde. J'ai eu un moment de, voilà, de lag hein, du cerveau. J'en ai marre de cet ennemi. Je lis pas, j'ai... Ça va, il faut que... Allez vite, sinon tu vas planter le mini-jeu. C'est casse. C'est de la merde, vraiment c'est de la merde. Regarde-moi ça. Oh là là, mais quel ennemi de merde. Allez, il est bleu. Ça devrait être bon. Ça devrait être compté comme bon. Allez, 4. Putain, nique ta mère. Arrête de putain de rebondir, quoi. Je commence à avoir mal à la main à faire cette... Oh là 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 là. Putain, de la merde, de la merde. Et ça, vous savez quoi? Il faut le faire deux fois! Parce qu'il y a un autre ennemi, on l'avait vu! Ah, ça m'énerve! Ça me casse les couilles de faire cet ennemi de merde! Tout ça parce qu'il me force à faire... Putain, ballon de plage simulation, quoi! Oh là là, quel ennemi! La roue qui va être tout seul, oh, ça aussi! Voilà, tu vois pas où il va atterrir. Ennemi de merde. Je te jure, c'est un putain d'ennemi de merde. Oh là 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 là. Mais regarde, putain. Je sais pas, moi, je connais pas les putains de trajectoires. Putain, je l'avais réussi. Allez, le jeu lag, ça y est. On finira jamais ce boss. C'est officiel, voilà. Sachez-le, ce boss me casse les couilles. Bah oui, mais c'est casse-couilles. Putain, il se prend le mur à chaque fois. Putain, j'ai l'air d'un chien, quoi. Pour avoir pris une balle. Mais je le fais, putain, RTX. Je le fais. Et ça me fait rien. Il s'en fout. Putain, alors la manette... Même la manette commence à en avoir marre, quoi. Ah, on a une strat. Ah, on avait une strat. Jusqu'à que ce connard se prenne le mur de merde. Putain, mais il n'y a pas moyen qu'il saute moins haut, quoi. C'est... Je crois que c'est aussi casse-couille pour vous que pour moi, hein. Tu vois, t'as 25% de l'écran qui ne sert à rien. Ouais, tu vois le bas, Rabbit Club, où je m'en bats les couilles. Allez, le jeu Iram. Allez, Iram. Bah, c'est bon, de toute façon, on finira pas. Voilà, on finira pas ce boss. Ça me saoule, le jeu lag. Voilà. Je ne peux pas finir ce boss parce que le jeu il lag. C'est tout. Le jeu, voilà, a décidé de le tout. Mais arrête, putain. Déjà que c'est ultra dur, assez dur comme ça. Jeu de merde, allez, jeu de merde, nique ta mère. C'est bon, hop. C'est bon, t'as gagné. T'as gagné, c'est tout. Il y en a marre. T'as décidé de laguer le jeu, très bien. Je le ferai dans mon coin, ce boss.
Parce que là, comment dire, ça m'énerve. C'est tout, je l'ai réussi une fois. Le jeu a décidé de faire... Ah tiens, t'as un petit mini-jeu de merde. Allez, voilà, hop, tu t'es planté. C'est bon, j'ai pas envie de passer 10 ans sur cette merde. Autant les cosmonautes, j'avais fait ça en 5 minutes. Autant là, c'est bon. Il y en a ras le cul. C'est tout. Il y en a marre. Quand j'en ai marre, c'est tout. Voilà. Donc on finit sur l'île. Et puis voilà. Je vais pas passer 20 ans de ma putain de vie à faire un boss de merde. Bon, attendez. Ce jeu commence sérieusement à me saouler à ramer comme ça. Voilà, il me saoule à ramer, voilà. Bah, ta mère, c'est bon. Regarde-moi ça, putain, il prend 10 000... sa putain de life pour charger quoi. Non, non, mais ça m'agace. C'est juste... Ça m'agace et je ferai de même pour l'autre boss. Tu vois, t'as un autre boss à faire comme ça, et ben je le ferai pareil. Vous ne verrez pas ce boss, je ne finirai pas en vidéo celui-là. Parce que ça m'énerve, parce que c'est de la merde, parce que faire ça 10 fois sur un ennemi qui arrête pas de sauter dans tous les coins, ça casse les couilles et que j'ai pas envie de faire un épisode de 3 heures avec moi en train de sauter sur cet ennemi de merde. Pour au final que je n'y arrive pas. J'y suis arrivé une fois. Était bien fait, une fois aurait suffi. Bien sûr, les mecs préfèrent te donner une zone de merde à faire. C'est tout. Ils préfèrent te mettre un ennemi avec un mini-jeu après de merde. Et ben voilà, moi je croyais que c'était un QTE. Il fallait faire tac tac tac. Et ben je me suis fait avoir, il fallait choisir le bon truc. J'ai pas regardé l'écran, bah voilà. C'est tout. C'est de ma faute, bah oui, c'est de ma faute. J'ai pas regardé l'écran, j'assume maintenant. C'est de la merde. Voilà, on retient 4 monstres. Regarde-moi regarde-moi tous les monstres énervés, c'est abusé. C'est tout. Non. On aura fait le quota de monstres. J'ai passé ma vie sur un monstre de merde. C'est tout. Regardez là le nombre de monstres énervés quoi. Bon. Non, on a 15 monstres à trier. Ah bah c'est pile poil le nombre qu'il faut. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode de L.I.E. où on aura passé 8 minutes sur 5 boss. Près d'arriver à un autre boss de merde où, voilà, où j'ai rien fait. J'ai pas réussi à le buter. Il en restera un deuxième. Le deuxième, bah, je vous montrerai leur nom, bien sûr, mais pas comment je les aurais tués. Dans tous les cas, les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode délié. J'espère qu'il vous aura plu malgré, voilà, pendant 10 minutes, 10-20 minutes de rage. Bah, pas de rage, mais voilà, saoulé, quoi. Voilà, t'es saoulé, quoi. Donc enfin bref chers amis, voilà, c'est la fin de cet épisode, on se retrouvera bientôt pour le prochain. Donc d'ici là, portez-vous bien, c'était Super Arcana, à vous les studios. Five, four, three, two, one.